le Carrefour des jeunes pour la paix. C'est un cadre que nous avons créé pour échanger entre jeunes autour des questions liées à la participation des jeunes dans le processus de consolidation de la paix. Donc, ça se faisait à Ibanda, mais on s'est dit qu'il fallait faire des tours. Comme le samedi passé, on était à Ibanda, aujourd'hui, on est à Bagira. Peut-être que le samedi prochain, on sera à Kadutu, selon que nous allons nous convenir. Et donc, nous sommes très heureux pour cette première activité de Carrefour des jeunes pour la paix qui se tient à Bagira. Nous sommes ici pour cette question, justement, de gouvernance locale et quel rôle, n'est-ce pas, les jeunes peuvent jouer de manière légitime, de manière légale, de manière courte, de manière acceptée. Quand on dit gouvernance, on veut dire quoi? En réalité, il faut être beaucoup plus profond hein, que de vous limiter à simple gérer. Ça va, hein? Quand on parle de gouvernance, c'est-à-dire on est en train d'amener les hommes, leurs ressources, leur avenir, leur destin, leur... tous ensemble à une échelle donnée, on est en train de s'amener vers un avenir commun. Vers un avenir commun. Si cet avenir, nous ne l'avons pas décidé ensemble, eh bien, il y aura toujours des gens qui sont surpris, qui n'ont pas choisi cette destination-là. Vous comprenez? Et donc, ça devient irresponsable de se faire embarquer dans un train qui vous amène là où vous n'aviez pas dit que vous alliez. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut prendre cette notion de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a des décisions et des actions qui sont posées par des personnes qui ont votre mandat. Parce que dans la Constitution, ça va? Dans la Constitution, l'article 5, la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça va? Hein? Le peuple, c'est vous. Et on dit tout pouvoir émane du peuple. Puis on dit ce peuple l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection. Et ce peuple l'exerce indirectement par ses représentants. Celui de ce peuple-là choisit des représentants. Ce sont ces représentants qui vont exercer ce pouvoir en son nom. Parce que nous ne serons pas tous là-bas pour décider et agir avec les ressources de la collectivité locale. Ça va? Maintenant, quels sont les représentants au niveau local? Ah, tu as ma votac. Vous comprenez que ça signifie provisoirement. Provisoirement, il y a des personnes qui exercent ce pouvoir-là sans totalement avoir ces représentants du peuple à travers lesquels nous parlons. D'où, effectivement, la nécessité pour la société civile de s'organiser pour éviter que ceux qui exercent ce pouvoir-là l'exercent à leur nom. Vous comprenez? Parce qu'ils ont le pouvoir. Mais ceux qui doivent nous représenter pour que ce pouvoir-là produisent des décisions et des actions légitimes, ces gens-là n'existent pas jusqu'à aujourd'hui. Heureusement que nous allons droit vers les élections et il est prévu qu'il y ait des élections au niveau local et municipal. Vous comprenez? Donc voilà un peu au niveau de la sensibilité
pourquoi vous ne devez pas ne pas suivre ce qui se passe au niveau local dans la gouvernance? Alors, est-ce que c'est légitime votre suivi, votre participation? Est-ce qu'elle est légitime? Oui, parce que nous venons de lire un article de la Constitution qui dit que l'État congolais est un État souverain, que cette souveraineté-là est exercée par le peuple, que ce peuple-là agit par représentant qui donne. Donc, ce peuple donne mandat à des représentants. Ces représentants-là, maintenant, choisissent des hommes et des femmes qui exécutent. Et ici, notamment au niveau local, le bourgmestre. Parce que nous sommes dans une commune. Vraiment, dans la chefferie, c'est le Moami. Et donc, nous avons l'obligation de suivre. Et notre suivi maintenant, comme société civile, s'appelle le contrôle citoyen. Vous comprenez? Le contrôle citoyen. Voilà une participation qui est acceptée par tous les standards du monde entier. Par le fait que je ne peux pas laisser des hommes et des femmes prendre le pouvoir, l'exercer sans mon consentement. Parce que je subirai la qualité de leur choix. S'ils choisissent de faire une mauvaise gouvernance, je le subirai. S'ils choisissent de faire la bonne gouvernance, je le subirai. D'où l'intelligence de se prémunir des outils afin d'empêcher que ceux qui ont ces pouvoirs l'exercent contre nous, contre moi. Parce que quand tu laisses à quelqu'un le pouvoir, ses pouvoirs gonflent, n'est-ce pas? Si. Ses pouvoirs gonflent, enflent, et finalement il devient excès de pouvoir. Et on dit toujours, quand il y a beaucoup de pouvoir, on en abuse. Hein? On en abuse. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça va? Donc, c'est pas une question de choix de l'individu. Qui que ce soit parmi vous, on lui donne le pouvoir. Dès lors qu'il trouve qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, ce pouvoir-là va gonfler. Et à la fin, ça ne dépend plus de lui. Ça ne dépend pas de lui. Il va faire des choix, parfois, qui pensent être des choix judicieux, mais qui sont des choix malheureux pour vous, pour toute la communauté. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui font les contre-pouvoirs à ces pouvoirs-là. Ils font le contre-pouvoirs à ces pouvoirs-là. Ces gens, on les recrute parmi lesquels, parce que vous n'allez pas me demander à ce que les personnes de troisième âge qui s'occupent déjà de la courbe de vie, qui échappent. Vous n'avez pas l'air demandé de s'occuper de ça. Vous n'avez pas demandé aux malades qui sont dans les hôpitaux de le faire. Vous n'allez pas demander à des indifférents. Donc, la jeunesse, c'est le fer de lance de la société. Et donc, la jeunesse doit participer. La jeunesse doit suivre. Parce que si la jeunesse se mobilise et dans la courtoisie, dans l'intelligence, dans la prévisibilité et dans l'éclairage, la lumière, la société civile participe, eh bien vous aurez
une prestation de ceux qui sont au pouvoir, qui soit une prestation voulue. Vous aurez une destination de la collectivité qui est décidée par l'ensemble. Amuta Chitukia, mon Afrique, quelque part. Non, ce sera une destination planifiée. Vous comprenez? Donc quand on parle du développement, même si les mots en soi, parfois il est difficile à cerner, hein, mais il faut que ce soit un développement voulu, un développement décidé. C'est-à-dire, les représentants du peuple au niveau local, avec l'exécutif, c'est-à-dire au niveau local, c'est les dans la commune, c'est les bourgmestres, et les forces vives. On s'est mis ensemble, les secteurs privés, on s'est mis ensemble, on a décidé d'une destination. D'ici 5 ans, nous voulons avoir quel profil pour notre commune. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Alors, si vous arrivez dans 5 ans, vous évaluez par rapport aux indicateurs, vous trouvez que les indicateurs se sont améliorés, vous allez dire que vous vous êtes développé. Parce que vous êtes en train d'aller positivement vers quelque chose de mieux. Parce que le développement en soi, c'est quoi? C'est tout simplement le lieu de votre aspiration en tant que peuple. Si vous dites culturellement, intellectuellement, techniquement, technologiquement, et dans les infrastructures, nous voulons être ceci dans 30 ans. Si dans 30 ans, effectivement, vous êtes arrivé à un plafond que vous aviez dessiné, voilà, là, c'est un... Vous comprenez? Le reste, c'est une régression. Et donc, nous venons là de vous montrer ce qu'est la légitimité pour vous. Participer. Participer. Vous devez participer. Parce que si vous ne participez pas, on fera de vous ce que on veut. Et si vous participez, la collectivité va aller vers une destination choisie par nous tous de manière consensuelle. Parce que ici, c'est le consensus. Il n'y aura jamais une destination acceptée de manière unanime. N'est-ce pas? Il y en a qui voudront qu'on fasse d'abord ceci, d'autres voudront. Mais quand même, il faut qu'il y ait un minimum de consensus. Alors, est-ce que votre participation par le mécanisme du contrôle citoyen est légale? Non, la légalité s'obtient par le respect des lois. C'est-à-dire, vous n'allez jamais violer les lois de la République. La Constitution vous a déjà dit, vous devez participer. La République démocratique du Congo a adhéré à plusieurs instruments internationaux qui vous donnent, qui vous reconnaissent, n'est-ce pas, comme acteur de gouvernance, et surtout en matière de gouvernance locale. Vous connaissez un des instruments les plus récents. La résolution 2250 des Nations Unies vous donne une grande place de choix dans la recherche de la paix, la construction de la sécurité, jeunesse, paix, sécurité, c'est ça la leçon 2050. Mais aussi dans les développements. Dans les développements. Mais il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'autres outils qui vous donnent cet espace de travail signé notamment entre la RDC et l'Union européenne,
la déclaration de Paris, qui vous reconnaît comme acteur non étatique, et qui demande à ce que toutes les négociations pour l'aide au développement, par rapport à l'efficacité de l'aide, que la jeunesse participe activement et que cela soit parmi les indicateurs de la bonne gouvernance. La légalité, c'est par rapport aux actes que vous allez poser. La légitimité, c'est pourquoi vous êtes là. Donc personne ne va vous empêcher de participer. Alors, donc, quand vous contrôlez et que vous trouvez que les prestations des responsables des entités, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, que les prestations sont honorables, sont des prestations qui méritent l'applaudissement. Qu'est-ce que vous faites? Il faut honorer, ça va? Il faut honorer les bonnes prestations. Parce que c'est quelque chose qui reste de la mémoire. Quand vous honorez, ça laisse de la mémoire. Ça fait que ceux qui viendront seront jaloux, voudront être aussi honorés. Ça signifie qu'ils poseront aussi des gestes beaucoup plus positifs que leurs prédécesseurs. Et c'est comme ça qu'on se transmet de génération en génération la bonne culture. Et ça vient d'où ? Ça vient de la collectivité. Il faut honorer les bonnes prestations. Par contre, les abus, il faut sanctionner. Nous sommes en démocratie. Le patron, c'est qui ? C'est ça l'article 5 de la Constitution. Nous, dans notre périmètre, nous sommes en train d'engranger les fruits du développement. Au niveau d'en bas, c'est exactement ce pour qui on gouverne. On doit leur dire, voilà, par étapes, nous avions fait ceci, nous avions fait cela. Et la redevabilité, c'est aussi le moment de concilier les vues entre nous et celui qui dirige. Parce que c'est à ce moment-là qu'on lui dit, non, non, ici, monsieur, ça ne marche pas comme on s'était convenu. Vous aviez appliqué des taux, vous aviez appliqué des méthodes, vous aviez appliqué des approches qui nous sont préjudiciables. Ça, c'est au moment de la redevabilité. Et les entités territoriales décentralisées ouvrent des portes à travers des forums. Il y a des forums pour justement partager, échanger sur ces questions de gouvernance locale pour rendre compte. Mais aussi, redevabilité oblige que, en termes de prévisibilité, la redevabilité veut qu'il y ait des mécanismes. Parce que personne ne peut venir chaque fois. Minakia, on a bourgoumestre, à quoi redevable? Et si ça passe comme ça? Hein? C'est pas gay, n'est-ce pas? Ce n'est pas gay. Alors il faut que les bourgoumestres mettent des mécanismes pour communiquer avec les masses, mais aussi pour publier l'information publique. Par exemple, commune et Imwaka, il y mobilisait autant d'argent. Autant d'argent, moi Imwaka, tout litia, tel pourcentage de mon investissement, tel pourcentage de mon fonctionnement, tel pourcentage de ma acquisition et tel autre pourcentage de ma recherche, fonds secrets de recherche. C'est clair. Ça, à ce moment, ces informations, ce n'est pas vous dire salaire à bourgmestre Alifa Naoïvi. Non, ça c'est secret, c'est personnel. Mais dire seulement, vous voyez, ça c'est une première... un premier mécanisme dans la redevabilité. Et ça, c'est négociable avec le pouvoir, parce que c'est ça la redevabilité en fait. Mais il y a aussi un mécanisme pour traiter les plaintes et faire feedback. C'est-à-dire, Batu Banaona, Rivière, Ikwirinde Namenya, Flan,
Mais personne n'est en train de s'émouvoir. À quel niveau on en parle? Est-ce que ma chef de quartier, ma chambia, bourgmestre, est-ce qu'il y a un mécanisme où les gens peuvent venir, ben, handika, soit ou à bourgmestre, soit il y a par exemple, coffre pâle, il y a la fungulaka, chaque samedi ou bien chaque dimanche, ça n'a qu'à mon repos, au bureau, à mutu, on a fungulé les coffres. En Angalie, Batu, Balimouandiki, Anini. C'est ce qu'on appelle mécanisme de collecte des plaintes. Et alors, lui aussi, il organise, il dit, pour répondre aux gens par rapport aux plaintes, parce qu'il faut un feedback. Pour répondre aux gens, je ne vais pas répondre individuellement à chaque. J'organise, par exemple, un mercredi, j'appelle les gens. Meeting, par exemple, pas les places communales. À ce moment-là, on recevoir ma doléance, c'est une mingi, moukouye tourongé. Car tu vas faire un on appelle les forces vives, ou bien moussale à cinéma, ou bien on appelle les grands cadres, ça dépend, manan y a ma thème, y a l'ipat. Parce que les mathèmes y a l'ipat, je vais me permettre, il invite quel type d'audience. Voilà un peu mon cadre de redevabilité. De notre doyen Bosco, Jean Bosco Moimeri. Pour être pratique, nous avons invité l'autorité locale pour essayer de discuter ensemble, d'échanger. Parce que ce n'est pas chaque jour que nous avons l'état de l'avoir avec nous, de dire ce qui nous concerne, surtout nous en tant que jeunes, et comment nous pouvons aussi participer. Le fait déjà, nous avons suivi d'être ici avec le bourgmestre. C'est déjà un pas vers la participation effective des jeunes. Parce qu'il y a des idées qu'on peut donner ici et qui vont l'orienter peut-être dans la prise de décision. Il va dire, bon, mais les jeunes ont quand même dit ça, c'est-à-dire il y a un besoin. Donc, on n'a pas vraiment voulu rester théorique. On avait suivi à Papa Moscou qui, à un moment, pensait à une présentation PowerPoint, mais comme on a invité aussi l'autorité, il s'est dit, essayons d'être un peu pratique. Donc, merci beaucoup, monsieur le bourgmestre, d'être venu. Nous avons signalé bien avant que vous n'allez pas exposer comme Papa Bosco l'a fait, mais vous avez exprimé le désir d'échanger avec les jeunes. Et c'est pourquoi vous êtes là de manière pratique, les jeunes peuvent poser des questions qui concernent la gouvernance de notre commune. Donc, vous avez suivi l'intervention de Papa Bosco, nous allons vous donner peut-être d'abord la parole pour placer les mots. Après, les jeunes pourront. Ils ont suivi aussi l'exposé. Peut-être qu'il y aura des questions qu'ils vont poser et des manières pratiques qui vont toucher la gestion de notre entité et comment ils peuvent participer. Peut-être vous avez des recommandations aussi adressées aux jeunes pour leur participation dans la gestion de l'entité. Alors, bienvenue. Vous avez la parole, monsieur le bourgmestre. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et je pense que, comme l'a dit le modérateur, je n'ai pas d'exposé à faire, parce que je n'ai pas préparé d'exposé. Je suis là juste pour répondre à toutes les questions qui concernent la commune de Baguira. Sentez-vous à l'aise, c'est notre entité, c'est notre pays. Il s'agit des questions qui nous concernent, nous tous. Donc, pas donc de questions taboues. Et je pense que à chaque question correspondra une réponse satisfaisante ou non, mais une réponse quand même. Je suis donc disposé à échanger, même si c'est la première fois, que ça ne soit pas la dernière fois. Je reste ouvert, pas seulement dans ce cadre ici, mais aussi même au bureau. N'importe où on peut se rencontrer, on peut parler des questions qui concernent notre commune. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Donc, les jeunes, c'est une assurance. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise. Si vous vous posez des questions concernant notre commune, le bourgmestre est là, il a dit, il va quand même avoir une réponse à vous donner. Ça peut ou ne pas vous satisfaire, peut-être selon vos attentes, mais il y aura quand même une réponse qui peut éclairer l'opinion de nous tous. Alors, nous avons suivi ensemble l'exposé de notre doyen, Papa Jean Bosco. Nous ouvrons maintenant la brèche aux échanges.
Donc, s'il y a des questions, nous allons prendre une série de 5 questions. De manière concrète, si ça concerne la commune de Baguira, il y a le bourgmestre qui est là, qui peut aussi nous donner des idées. Mais au-delà d'être bourgmestre de la commune de Baguira, il fut aussi acteur social. Il est passé dans beaucoup d'organisations, donc il a aussi de l'expérience en matière d'organisation. Donc, monsieur le bourgmestre, même si ça ne concerne pas la commune, vous avez d'autres expertises que vous pouvez toujours partager aux jeunes. Donc, Papa Bosco peut donner des idées, vous pouvez aussi ajouter en tant que doyen, en tant qu'aîné. Il y a des idées que vous pouvez toujours nous faire. Alors, on va prendre une série de 5 questions. Je vais poser la question au bourgmestre en rapport avec la rédivabilité. On nous a parlé ici de la rédivabilité. Maintenant, je veux savoir, monsieur le bourgmestre, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour que, à chaque action que vous posez tout au long de votre mandat, et qu'à la fin de votre mandat, vous reveniez auprès de votre entité et rendre compte de toutes les actions que vous avez posées tout au long de votre mandat. Merci. Je voudrais savoir, monsieur le bourgmestre, pourquoi les autorités ou les dirigeants locaux parviennent à répondre seulement à la redevabilité en rond que Papa Bosco nous a parlé, parce que les autorités peut-être vous ont nommé, vous obéissez à cette redevabilité. Mais la redevabilité en bas, vous la bafouez. Je voudrais bien savoir, je m'adresse bien à M. le bourgmestre, est-ce que dans notre commune de Kadutu, de Baguira, il y a un comité communal de la jeunesse? Si oui, est-ce qu'il est vraiment impliqué dans le cas de la redevabilité? Façon de dire, est-ce que dans le budget communal de Baguira, il y a une portion réservée à la jeunesse? Dans le cadre de soutenir ses actions et ses activités. Notre ami vient de soulever un point très, très important en demandant des sanctions aux autorités. Une fois, ils ne gouvernent pas très bien. Moi, alors, j'aimerais savoir aussi quelle est la manière d'encourager nos autorités. Est-ce qu'en médiatisant, est-ce qu'en acclamant, en quelque sorte. Comment honorer nos autorités. Ma deuxième question, pourquoi le gouvernement congolais n'est pas redevable envers son peuple? Peut-être cette question revient au bourgmestre directement. Pourquoi il n'est pas redevable à son peuple? Merci beaucoup. J'avais une préoccupation qui va s'adresser au monsieur le bourgmestre de Baguira. Suivant les explications qu'avait donné notre orateur du jour, il avait parlé de la participation lors de la planification des prévisions. Alors je voulais juste demander au bourgmestre, comment avez-vous fait pour faire participer votre population en termes de planification? Et si oui, sinon, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que c'est justement, comme avait dit l'orateur, quand vous faites participer votre population, ça évite ce risque-là de ne pas se plaindre après qu'on n'a pas été inclus lors de la planification. Je vais tout d'abord présenter mes excuses puisque je n'ai pas pris les noms de toutes les personnes qui ont présenté les questions. La première question était celle de savoir quels sont les mécanismes mis en place pour assurer la redevabilité dans la commune de Baguira. Au cours des dialogues sociaux, c'est en ce moment-là que je parle à la population. Je parle à la population pour dire ce qui a été planifié, ce qui a été réalisé, et ce qui n'a pas été réalisé, pourquoi? Donc, au cours des dialogues sociaux, on invite tout le monde sans distinction aucune pour échanger sur les questions de la commune. Le dernier dialogue, malheureusement, date du mois d'avril, je pense, mars, au mois de mars, c'était prévu
d'organiser un autre dialogue au mois de mai, qui n'a pas eu lieu suite à des contraintes de temps. Voilà, c'est le principal moyen que je saisis pour communiquer avec la population en direct. Mais aussi, ça c'est une réponse qui va répondre à une autre question peut-être, nous avons l'Assemblée des budgets participatifs. Là, nous avons différentes couches de la population, y compris la société civile, le CLD, qui participent. Là, c'est pour planifier les activités relatives au budget participatif. Le budget participatif, c'est quoi? C'est une portion du budget communal qui implique la participation de la population dans ces différentes couches afin de réaliser certains projets. Et là, nous avons une contrainte, ça je dois vous le dire, je l'ai toujours dit plusieurs fois. Le budget de la commune dépend beaucoup plus, c'est un budget extraverti, si je peux utiliser ce terme-là. C'est un budget qui est financé à 80% par l'État congolais et le gouvernement provincial dans sa prévision. Malheureusement, cette participation de l'État et même de la province n'arrive pas. C'est pour vous dire que nous fonctionnons théoriquement avec 20% qui ne sont pas non plus mobilisés dans leur totalité. C'est l'exemple pour l'année passée, on a réalisé juste 14% du budget global. Avec cette contrainte, c'est clair qu'on ne peut pas réaliser les projets, les planifications mises en place. Voilà un peu les problèmes auxquels nous sommes affrontés. Nous avons un budget, puisque la source, les 20% là, est composé de ce que nous appelons les recettes locales. Les recettes locales sont ce que vous voyez, les dames contribuent, les 300 francs, étalage par jour, les taxes annuelles pour quelques opérateurs économiques. Différemment des autres communes, je n'aime jamais faire la comparaison, différemment des autres communes, notre commune n'a pas de moyens de sa politique. C'est-à-dire, à Bagira, vous le savez bien, il n'y a pas de marché important, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de dépôt. Donc, les recettes locales qui sont les nôtres ne parviennent pas à couvrir les besoins variés de nos populations. Et c'est pourquoi ça pose toujours problème et on planifie, mais on n'exécute pas. Voilà, ça c'est par rapport à la première question et à une autre question. À la dernière aussi, oui. Pourquoi les dirigeants répondent à la redevabilité d'en haut, donc verticale, quelque sorte, et bafouent la redevabilité en bas? Est-ce que c'est une obligation? Ça, c'est une question. Je n'ai pas pris non plus le nom de la personne qui a posé la question. Moi, je pense que, pour ce qui me concerne, j'ai fait la redevabilité en bas. Si j'ai compris ce que veut dire en bas. En bas, c'est-à-dire avec la population, quoi. Avec la population. Et au-delà des séances que j'ai mentionnées là, toute personne qui les veut passe à mon bureau et il a la liberté de poser des questions sur toute la vie de la commune de Bagira. Et moi, je me fais toujours l'obligation de répondre. Sauf lorsqu'il s'agit des questions provocatrices, puisqu'il y en a aussi. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je m'efforce à faire cette redevabilité en bas. La troisième question, c'est dans la commune de Bagira, y a-t-il un comité communal de redevabilité? De la jeunesse. De la jeunesse, ah voilà. De la jeunesse, si oui, quelle est la portion du budget de la commune prévue pour cette jeunesse? Le comité communal existe, je sais. Et dans les prévisions, dans leur globalité, il est prévu une portion pour soutenir les activités des jeunes.
mais ce n'est pas exécuté pour des raisons que je vous ai soulevées ici. Là, je préfère être sincère avec vous, comme ça. Et la quatrième question, pourquoi le gouvernement congolais n'est pas redevable à son peuple? Ça, c'est très grand hein, pour répondre à cette question. La non-redevabilité, c'est quelque chose qui est compliqué au niveau national pour moi à répondre, mais je peux vous dire aussi, un des éléments, c'est peut-être les moyens de revendication qui ne sont pas bien ficelés par vous, la société civile. Qu'est-ce que nous faisons pour contraindre ce gouvernement à faire la redevabilité? Qu'est-ce que nous faisons, nous ici? Qu'est-ce que nous faisons de manière civilisée, de manière propre, pour contraindre ce gouvernement-là à assurer la redevabilité? Nous avons toujours dit, je donne un exemple, nous avons toujours crié, nous, les animateurs des ETD, la non-rétrocession, même si ce n'est pas constitutionnel, parce que la constitution prévoit la retenue à la source. Nous avons l'Abralima ici, l'Abralima qui donne des millions chaque mois au gouvernement central. Mais la commune de Bagira a zéro. Alors que c'est nous, la commune, qui inhalons tous les déchets, toutes les odeurs, nous n'avons rien. Vous pensez que c'est moi qui suis mal bien placé pour faire cette revendication? C'est vous. Si vous l'avez déjà fait. C'est peut-être, ce n'est même pas une blague. Un jour, quelqu'un de la société civile va me dire, si tu revendiquais que Chanyé Moukoule, vous voyez, ça c'est grave. C'est grave, très grave. Puisque avant de réclamer ses droits, il faut assurer ses obligations, il faut assurer ses devoirs. Voilà un peu. Et la dernière question, comment avez-vous fait pour faire participer la population à la planification? Là, j'ai déjà répondu. Voilà. Joseph, Olivier, et puis on prend d'abord les trois. Oui, en fait, pour moi, c'est juste une réflexion rapide. Oui. D'abord, on tient à remercier les promesses pour la disponibilité. Moi, je crois que c'est le début même de cette redevabilité que nous sommes en train de demander, et surtout sa sincérité par rapport aux défis. Le même problème qu'on évoque au niveau communal, c'est le même problème au niveau des provinces. Mais seulement aussi, les autorités, en tant qu'autorité, on ne sait pas. On ne sait pas en fait dire ce qui ne marche pas. D'où la responsabilité en tant que société civile, en tant qu'organisation de l'ONG. Je crois même que c'était ça le terme. C'est pourquoi moi, je m'aimerais à ce que, à l'issue de ces échanges, au moins que ce ne soit pas seulement des discussions qu'on a organisées, mais qu'à l'issue de ces échanges, on arrive quand même à des actions. Quand bien même, on a parlé de la responsabilité sociale. Il y a la Bralima ici, il y a la Pharmakina ici, et d'autres, au moins peut-être à notre niveau, voir une action en tant que société civile. Quand je parle société civile, je ne parle pas société civile communale, mais je vois l'action qu'on a des organisations qu'on porte au travers de ces carrefours, écrire officiellement à la Bralima, à la Pharmakina, pourquoi ne pas aussi les inviter à un moment donné pour des échanges clairs? Et peut-être, ça nous permettrait à un moment donné d'assurer les suivis. Parce que nous, rester calme à ces choses, je pense pas. Nous-mêmes, on est redevables, on est complices. Au moins, tenter des actions dans la non-violence, mais des actions qui peuvent permettre, parce qu'au moins on aboutisse à des résultats dans l'état. Je crois qu'on n'a pas suffisamment d'état. Voilà. Il y a ça.